bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur Euclidean. Donc là on va essayer quand même d'avancer un petit peu plus sur le jeu et de voir un petit peu ce que nous réservait ce niveau si étrange la dernière fois, c'est-à-dire le niveau, voilà, The Battle. Donc vous voyez qu'on est bientôt à la fin quand même. À moins qu'il n'y ait des niveaux bonus, mais nous allons voir. The Battle, un niveau où on ne voit rien, on ne se voit même pas. Donc là, il y a l'air d'avoir quelque chose d'assez énorme par là, donc on va éviter. Là, c'est quelque chose qui a l'air de... Oh là, on va passer à travers, hein. C'est bien aussi de passer à travers les choses. Cette place, ce lieu aura ma peau à un moment ou à un autre. Effectivement, il y a des chances vu comment c'est parti, là. Donc on voit pas grand chose, hein, quand même, là. C'est... Alors... Ok, pour l'ambiance angoissante, mais là, c'est juste pas angoissant, c'est... On voit rien, quoi. Alors, on dirait que c'est par là, dans un petit éclair de lucidité. Peut-être vais-je réussir à faire quelque chose par là. Oula, vache, merde. D'accord. Non, puis en phasing, on voit pas beaucoup mieux, en fait. Par contre, je vais me prendre un truc, là. Je vais me prendre un truc. Non? Je survis. Alors... Petite balade de sommité. Faut juste trouver la plateforme de fin de niveau pour le moment. Alors je pense que c'est... Je sais pas si c'est ça qui... Allez! Allez, esquive! Run. Ah non, fall plutôt. Là je tombe, hein, je peux pas courir. D'ailleurs je tombe très lentement. Ah! Est-ce que c'est des plateformes de fin de niveau? Parce qu'avec un peu de chance, les points qui clignotent sont des plateformes de fin de niveau. On dirait bien. Bon, donc, après ce niveau... Alors, il va peut-être y avoir une blague à la fin, non, même pas. Bah, ma foi, c'est assez simple au final, ce niveau. À part qu'on a nagé dans une espèce de sauce tomate qui nous permettait de rien voir, mais... Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt peinard. Hein. Le niveau d'avant, là, avec l'escalier en collimation, était vachement plus chiant à passer. Bien. Alors, The Embrace, ok. Eh bien, on va commencer. Donc, comme vous voyez, là, j'appuie vers l'avant. Hein. C'est quand même assez lent, en fait. Hein. Là, je tombe vers l'avant. Alors, je sais pas si c'est mes contrôles ou autres qui sont mal branlés ou... Je sais pas trop, mais en tout cas... Bon. Ça c'est un sol dur que auquel je peux pas passer à travers. Donc je vois pas trop comment faire parce que là je vais aussi vite que possible. Ah, faut peut-être tomber dans le trou juste là au milieu en fait. Faut peut-être pas essayer de s'esquiver. Donc dans le trou là où il y a pas beaucoup de place, il y a plein de trucs qui ont l'air de vivre là-dedans, qui remontent, qui vont sur les côtés, qui font leur petit bonhomme de chemin. Essayons. C'est bon, lui c'est pas bon. On va y aller tranquillou bilou. On va éviter de se faire tuer. Et bon, pour le moment, à part savoir qu'il fallait tomber dans le trou, pas une grande difficulté. Donc là. Voyons voir. Alors bon, ensuite il y a d'autres modes de difficulté, je sais pas trop ce que ça change, peut-être qu'il y a plus de créatures, peut-être qu'il y a plus de... peut-être qu'on tombe plus vite, ce serait pas mal. C'est un peu long quand même, hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, mais... Donc là, j'ai dû prendre le mauvais chemin, puisque voilà, je tombe encore sur un sol, donc... A priori, pas de bol, c'était pas de ce côté-là qu'il fallait aller, mais bon... Un peu pas de chance là. J'ai
On peut pas beaucoup de choix au final. Donc, nous allons continuer à essayer de franchir ce niveau. Je pense pas qu'il soit d'une grande difficulté, c'est juste que là, on est toujours dans une espèce de purée de poids qui... Alors d'accord, au début c'était angoissant, comme on savait pas trop ce qu'il fallait faire, etc. Là, c'est juste... Au final, ça devient assez fatigant pour les yeux. Hein. Parce que, au bout d'un moment... toujours dans l'espèce de brouillard là. Celui-là je sais pas trop comment je vais éviter, mais a priori ça passe. Là on va juste faire en sorte de continuer à éviter tout ce qu'il y a. Voilà. Lui par exemple. Charmante petite bébête. Qui va sans doute revenir à un moment ou à un autre. Ah, ça clignote. Quand ça clignote, généralement, ça veut dire qu'on doit pas être loin. Ah, ça, je connaissais pas ça. Quand ça clignote, là, quand on a des flashs lumineux, ça veut dire que c'est plutôt bien parti pour la plateforme de fin. Sauf que là, je vois pas grand chose. Bon, il y a le coco qui remonte. Ça, c'est les petites... petites joyeusetés qui sont sur les bords là. Coco il redescend, non coco il redescend. Hop, hop, hop. Bon, ça je sais pas ce que c'était, mais c'est esquivé. On va éviter de trop coller la paroi, c'est un coup de se faire choper. Ok, donc là ça clignote d'en dessous. Donc avec un peu de chance, c'est par là. Ah, on commence à en avoir d'autres. Partent dans d'autres directions. Ouais, on l'a vu, là, elle est là-bas. Donc on va essayer de se rendre là-bas. En phasant. Comme des bons phasers. Au maximum. Parce que, voilà, il y a des trucs qui sont sur les côtés. Au final, quand on les voit passer, une fois qu'on a commencé à avoir le timing de chute et qu'on n'hésite pas à utiliser le phaser, au fait, ce qui revient assez vite, ça se fait plutôt... bien, hein. Ça se fait plutôt rapidement même. Pas d'énormes difficultés. Ça c'est joli je trouve. Ça, c'est... Les transitions sont assez sympathiques entre les niveaux. Ensuite. Là on est quand même sur des niveaux qui restent un peu... Voilà, un peu tout le temps, la même chose. Donc là... A priori je crois que c'est le dernier niveau, enfin c'est le dernier qui était affiché. On va voir. Ça se trouve, il y a du niveau bonus. Mais bon, le concept est... Bah, à la fois, le jeu, je pense que si ça, c'est le dernier niveau, le jeu est court. Mais pas plus mal, parce que plus long, au final, ça aurait été un peu... Bah, on est très très lent dans la chute, on contrôle pas grand-chose, on met des heures et des heures à bouger. Bon, là, il y a des espèces d'énormes tentacules qui... Un peu comme sur la vidéo d'intro d'ailleurs, hein. Les énormes tentacules qu'on voit enfin. Donc effectivement, peut-être est-ce le dernier level. Donc ce que je disais, ouais, c'est que je trouve que ça mange quand même un peu de pêche. Disons que c'est un peu... on tombe très lentement et on doit essayer d'anticiper de très très loin avec une espèce de brume en termes de gameplay au final. Au début c'est intéressant et on s'en lasse un peu quand même, hein. J'avoue, c'est... Comme je disais, en plus c'est assez fatigant pour les yeux là, je... J'avoue qu'après une journée de boulot là, le let's play, niveau oculaire je sens passer. J'en suis pas non plus en train de pleurer des larmes de sang, mais Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est ça? Too slow to run. D'accord, donc en fait, il doit y avoir un truc qui me poursuit, mais qu'on n'a pas trop vu. Ça peut être une espèce de tentacule. Mais je vois pas trop comment aller plus vite. À moins qu'on me... Et puis je peux même plus phaser dans ce niveau. Donc... Ça fait juste des espèces d'éclairs, là. Non, c'est même pas moi qui fais les éclairs. Si, c'est peut-être moi. Si, c'est moi qui fais les éclairs. Euh,
Alors j'aimerais bien savoir comment je peux aller plus vite, s'il faut que j'aille plus vite. Je pense que c'est surtout que j'évite ces espèces de tentacules géantes qui sont partout. Mais bon, c'est un peu compliqué du coup. Je peux plus phaser. Bon. En même temps, on s'en est pas servi des masses non plus du phasing, c'était plus des... C'était plus un confort qu'autre chose, mais c'est pas ça qui nous a fait la run non plus. Ouais, encore des tentacules. Bon, le truc qui est con, c'est qu'en phasing, normalement, on voit un peu mieux. Et là, du coup, vu qu'on n'a pas le phasing, alors là, j'ai peut-être choisi le mauvais chemin. Vu qu'on n'a pas le phasing, on voit carrément moins bien. Hein. On est dans une espèce de bouillie. Pour le coup, plus les niveaux avancent, plus j'ai l'impression que la brume augmente. Et c'est pas plus angoissant, c'est juste plus chiant en termes de visibilité. Enfin bon, c'est assez personnel comme sentiment, mais c'est chiant de rien voir. C'est à la limite, ils vont nous faire un truc dans le noir en se basant que sur le son, comme le jeu qui est sorti récemment. Je crois pas que ce soit le délire, mais bon. Donc là, ok. Alors je crois que j'ai vu quelque chose qui clignotait par là, mais bon. Alors voilà, je peux pas phaser et il y a un tentacule. Parce que je pense être un tentacule en forme de petit carré qui est là, mais j'ai l'impression que je peux pas phaser, donc je peux pas accélérer non plus. Ou alors on m'a menti, on m'a caché quelque chose. Bon. Ouais. Alors je vois plus de points qui clignotent là, à part l'écran qui clignote jaune de temps en temps. Je ne vois plus de points qui clignotent pour y aller. Ah, là-bas. Non, pas trop. Hein. Encore des tentacules. Ok. Ah, un niveau là, on voit des murs, des trucs et des machins. Faut le voir quand même. Hein. Alors. Bon. Là j'essaye hein, d'aller le plus vite possible. Je crois que j'ai pas vu le truc en dessous là. Là-bas. Un pont qui clignotait. Espèce de gros truc. Bon, je continue à avoir appuyé sur le bouton d'avant, hein, parce que je me dis que peut-être je vais pouvoir échapper. Bon, le phasing, ça marche toujours pas. Ok. Faut échapper aux tentacules, mais on les voit pas. Enfin, pas des masses. La plateforme a l'air là-bas. J'essaye de me déplacer vers la plateforme. Et je vois pas trop comment faire pour accélérer. Oh là là, elle est loin, là, j'aurais jamais. Même si en admettant que j'arrive à échapper au tentacules au-dessus. Tentacules! Allez, allez, plonge, vas-y, nage là. Fais un truc. Y'en a pas une? Ah non, sérieusement, je vais pas crever juste à côté du truc. Y'en a pas une autre là? Ah merde, je suis pile poil entre les deux. Allez, non, trop loin. Et voilà, bon. Bah au final, pas une grande difficulté. La plus grande difficulté de ce jeu, c'est vraiment d'y voir quelque chose, hein, et puis de finir par arriver sur le bon truc en ayant un pifomètre moyen assez élevé, quoi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le décor est magnifique, hein. Nous voyons de la brume, des petits éclairs qui nous rappellent qu'il y a des choses étranges à côté, mais à part ça, on voit pas grand-chose. Là, au moins,
Là où au départ il y avait vraiment un parti pris graphique, de forme géométrique, de décor un peu tordu, très en dehors de la compréhension humaine, là j'avoue c'est un peu facile de mettre de la brume partout et de rien faire de plus quoi. Alors là, celui-là, je sais même pas comment je l'ai évité. Mais bon, c'est évité, c'est le principal. Celui-là, je passe à côté aussi. Celui-là, ça m'étonnerait que j'y arrive. Ça tombe jamais, avec un peu de chance. Sur un malentendu, ça peut toujours passer. Voilà, donc en fait c'est très très long d'atteindre le fond et puis la sortie parce qu'on peut pas accélérer le truc en fait. Ou alors j'ai... Peut-être que le phasing fait accélérer les choses, mais en tout cas ça a pas l'air de marcher. Pour le moment on va essayer de plonger, on va essayer de continuer à éviter ces tentacules géantes. On va se concentrer sur les flashs lumineux qu'on voit de temps en temps, qui ont l'air d'appartenir aux plateformes de passage de niveau. Et on va se laisser faire hein, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire finalement. Je suis même pas sûr que le choix d'une route soit ultra important en fait. C'est un peu dommage ça aussi pour du Die and Retry parce que là je vois pas trop ce qu'on pourrait retenir pour éviter de refaire des bêtises la prochaine fois quoi. Vu que de toute façon il n'y a à peu près aucun indice visuel de où on est, aucun repère visuel de. Sur lequel on pourrait se baser pour vraiment faire une amélioration, que ce soit de temps, que ce soit de pour atteindre la fin du niveau, ce genre de choses. C'est un peu compliqué en fait. Je trouve que c'est un peu dommage pour un Day and Retry de pas avoir de références visuelles, de points d'accroche sur lesquels on puisse justement s'appuyer afin d'améliorer la. La run en cas de mort quoi. Donc là bon bah, on va voir ce que ça donne. Alors là, encore. Parce qu'au final on n'a pas l'impression de faire grand chose. On flotte tellement lentement qu'on se voit pas se déplacer, surtout qu'on a aucun repère visuel pour se donner ne serait-ce qu'une impression de vitesse dans ce level là, que on a juste l'air de flotter en attendant d'arriver au bout plus ou moins d'un truc parce qu'on voit légèrement la brume qui change mais c'est tout. Alors par contre du coup là je ne vois plus de flash, je vais me faire avoir comme la dernière fois, je n'espère pas. Ah si, il y a un flash, là, il y a un flash. Ah, il y a un flash. Ah, il y avait des flashs, là. Allez, donnez-moi du flash. Ah là là là, je t'ai vu, toi. Ah là là. Non, parce qu'une fois la descente de 10 minutes, ça va. Hein. On va pas s'en faire non plus 20, comme ça. Hop là, j'évite ça. Non, même pas. Elle m'évite toute seule. Juste essayer de courir un petit peu sur un angle un peu différent. Et là on va foncer vers la plateforme de fin. Donc voilà. Touk. On y est. Et time. Fin du niveau. Ah, nouveau niveau. The Resolution. Ah bah, ça doit être le niveau final du coup. Donc, bah, on va se diriger vers la lumière. De toute façon... Ah, là on peut phaser. Wouhou. D'accord, alors moi je vais me diriger vers la lumière, mais la lumière a l'air d'être un peu capricieuse. Voilà, donc les grands anciens vous envoient un cadeau. Donc
Oui, là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inspiration Lovecraftienne. Ouais, donc clairement inspiration Lovecraftienne, hein, la chute dans la folie, les dimensions indicibles, l'immeuble et nan euclidienne. Ok, là on est dedans, les grands anciens, la voix off qui nous qui nous parle de plein de trucs et un jeu quand même très très étrange, très 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 étrange. Et bon, pas inintéressant, mais au final, c'est un peu. Voilà, là, regardez, on tombe, je me déplace à peine, et puis pourtant tout passe quoi. Enfin, j'ai l'impression. Je vais quand même phaser histoire de dire pour la forme, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs, mais. Et voilà quoi, enfin. J'espère que c'était juste bien la lumière qu'il fallait suivre. Et voilà, les crédits de fin. Ok. En même temps, parce que comme on peut le voir, hein, ah bah j'allais dire ils sont pas très nombreux. Ah, quand même il y a une petite équipe. Alors bon, voilà, c'est la fin de Clidéan, donc la review arrivera bientôt. Ce qu'on peut déjà en dire, c'est que c'est rapide. Que bon, le niveau du gameplay au bout d'un moment c'est un peu lassant. Que les inspirations Lovecraftiennes effectivement sont là quelque part, mais que pour un jeu qui se prétend être horreur géométrique, qui est d'ailleurs un genre qu'il crée, hein, puisqu'il n'y en a pas d'autres comme ça, on se retrouve face à un Die and Retry avec très peu de possibilités de mouvement ou de choix en fait. On est un peu plus spectateur qu'acteur dans ce jeu vidéo. De mon point de vue, bien sûr, hein, certains auront peut-être trouvé beaucoup plus d'intérêt ou auront peut-être fait le jeu avec des options de difficultés qui existent, hein, qui sont en Nightmarish Impossible là-dessus. Hein, donc peut-être que ça change tout au tout, mais en tout cas, bon, voilà, c'était un moment sympa, mais j'ai pas eu envie de, ça me donne pas envie d'une de le recommencer en difficulté surélevée, et puis deux, forcément, d'y passer des heures non plus. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et peut-être d'autres reviews sur Worlds of Lovecraft. À bientôt. Salut, salut.